Donc, une fois que vous avez fait des petits paramètres d'ambiance devant vous permettre de bien faire la liaison API du bot de trading OnTrade à l'échangeur Binance, rendez-vous donc dans OnTrade. Là, nous sommes dans OnTrade. À ce niveau, cliquez sur Buy Now ou bien ici. Alors, c'est cette action qui vous permettra d'avoir votre lien de parrainage. Il faudrait déjà le savoir à 500. Donc, il faudrait acheter votre licence, c'est-à-dire faire un dépôt de 150 $ et activer sa licence tout d'abord. Une fois que vous avez activé la licence et que vous avez un compte de Binance, vous pouvez maintenant faire la liaison. Vous n'avez pas besoin de déposer le capital pour faire la liaison. Vous pouvez faire la liaison, ce qui va vous permettre d'avoir votre lien de parrainage. Et juste après, vous pouvez développer votre réseau et chaque personne qui va s'inscrire avec votre lien, vous allez avoir 20%, c'est-à-dire 30 $. C'est-à-dire chaque personne qui va s'inscrire et acheter la licence est unique à prix de 150 $. Donc vous avez 30 $ pour chaque fiole. Donc si vous n'avez pas au départ un capital, vous pouvez vous concentrer d'abord pour acheter la licence et faire la liaison API et puis développer votre réseau. Une fois que vous aurez entre 8 et 10 personnes, vous aurez déjà un capital de 200 à 300 $ pour également commencer véritablement à profiter de cette opportunité. Donc ça, c'est également une astuce que je vous donne pour ceux qui peuvent développer le réseau. Ceux qui ont les moyens, après avoir acheté les 150 $ de licence et placé un minimum de 30 $ ou 50 $ de frais de gaz dans OnTrade, ils peuvent déposer un capital en fonction de leurs moyens dans Binance. C'est ça qui fait la sécurité dans ce business parce que OnTrade n'a pas accès à votre capital dans Binance. Donc là, vous déposez le capital qui vous convient. Minimum, c'est 200 $ sur Binance. Ceux qui ont les moyens peuvent déposer 500, 1 000 $, 2 000, 3 000, 4 000, etc. Plus vous aurez un bon capital sur Binance, plus vous aurez de gros profits. Voilà. Comment faire dans la liaison? Allons-y. Vous cliquez sur Buy Now. Voilà. Vous êtes rendu ici. Vous cliquez sur Start Banding. Voilà. Cette page s'affiche. Il sera question pour nous de mettre la clé API et la clé secrète que nous allons récupérer dans Binance. Ayant déjà effectué les paramètres dans Binance, vous pouvez donc aller voir la vidéo qui permet de faire ces petits paramétrages pour une liaison réussie. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'opportunité, vous avez le lien en description. Et les canaux de discussion sont également en description, WhatsApp, Telegram. Voilà. Après ceci, on se rend dans Binance. Nous allons revenir après copier ceci pour coller dans Binance. À la fin, on reviendra sur ça à la fin. Donc, on va dans Binance. Vous êtes rendu à la page d'accueil que voici. À ce niveau, vous tapez ici dans le champ API. Alors, après API, vous allez cliquer sur API Management. Voilà, une fois ici, vous voyez, on vous dit que ce qu'on n'a pas encore créé, une clé API. Là, c'est bon. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur Create API. Voilà, vous voyez, puis sur Next, dans ce champ, nous allons mettre OnTrade. Mettez la OnTrade, vous cliquez sur Next. On clique sur Next. Voilà, nous allons donc aller dans la boîte email. Avant ça, il faut cliquer sur ce bouton tout d'abord. On clique dessus, et puis ça nous renvoie dans la boîte. Donc, on va aller dans la boîte email récupérer le code. Donc, voilà le code récupéré. Deuxièmement, on va cliquer ici pour que la plateforme nous envoie un code à notre numéro de téléphone. Je clique donc dessus. Alors, pour recevoir le code, on doit cliquer sur Get Code. Tout simplement, on clique sur Get Code. On choisit ici SMS. Tout simplement, comme ça. Voilà, on patiente. On patiente. On patiente. Alors, ça tarde. Alors, comme ça tarde, ils vont demander de renvoyer. On va, ne vous inquiétez pas, vous cliquez sur Resend Code. On sélectionne SMS. On patiente. Voilà, le code est arrivé, on copie rapidement et puis on colle. Voilà, API create. Voilà, l'API est créée. Ça, c'est bien, très bien. Là, on descend, on va cliquer ici pour dérouler comme ça. Vous voyez, on va venir ici en bas. Non, on va d'abord remonter. On remonte au début là. Ici, on va cliquer sur Edit. Donc, n'oubliez pas, vous cliquez d'abord ici sur Edit pour activer le spot, le trading spot et futur. On clique là-dessus comme ça. Voilà. Là, ça se présente maintenant comme ça. Vous descendez.
vous allez activer ça et le futur. Donc si vous n'avez pas fait les paramétrages au début, alors vous n'allez pas pouvoir activer ceci parce que ça ne doit même pas s'afficher. Ok, c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire les paramétrages tout d'abord dans Binance. Vous avez une vidéo qui vous le montre comment le faire. Voilà, une fois que vous savez ceci, vous revenez ici, vous sélectionnez ça, vous cochez d'abord cette case comme ça. Voilà, et puis maintenant on va aller copier l'IP dans OnTrade. Donc on revient dans OnTrade. On va copier maintenant cette adresse IP. Donc on copie rapidement en cliquant tout simplement ici. Voilà. Et puis on repart dans Binance. Très bien. On colle ça dans cette case comme ça. Voilà. Une fois que c'est collé, vous allez tout simplement cliquer sur Confirm. Ok. Vous cliquez sur Confirm. Là maintenant, vous allez venir activer le trading spot et futur sans problème. Là, vous cochez. Et vous cochez en bas les deux. Et voilà les amis, vous remontez maintenant comme ça et vous cliquez ici et sur save comme ceci. Voilà, il faut encore accepter. Vous allez dans la boîte email encore prendre le code 207144. 207144. Bien, maintenant numéro de téléphone encore. Vous cliquez sur le numéro de téléphone puis sur get code SMS. Puis on patiente encore. Voilà, c'est copié. Et puis on call. Happy success. Voilà, c'est OK. Voilà, lorsque vous descendez, vous voyez que l'API est créée avec succès. Voilà, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous allez donc copier la clé secrète. Ceci. Tout d'abord, parce que au cas où vous copiez ceci et que vous revenez, la clé secrète ne va plus s'afficher. Donc faites attention. Donc copiez premièrement la clé secrète. On copie d'abord ça. Au cas où si on revient et que ça revient au début, on n'a pas de souci. On aura l'appui, la clé API qui sera toujours là. On copie. Voilà. On va maintenant dans OnTrade. On va coller dans le deuxième champ ici en bas. Voilà. On revient. Je prends maintenant la clé API. On copie. On revient, on colle la clé API, vous voyez, et puis on coche cette case, et puis on confirme tout simplement. On confirme là. On clique sur confirme. Voilà, on doit donc accepter. Pour confirmer, il faut mettre le code que vous avez envoyé à l'adresse email que vous avez mis lors de la création de votre compte. OnTrade 94 68. Donc vous prenez ça 94 68 et puis vous cliquez sur confirme. Voilà les amis, lorsque cette page s'affiche, ça veut dire que vous avez fait la liaison API avec succès. La liaison API a réussi. Vous pouvez dire bravo. Donc vous allez pouvoir récupérer votre lien de parrainage et si vous êtes un développeur, vous pouvez commencer à constituer votre réseau. Donc là, vous cliquez sur Go to Home. Une fois à Go to Home, vous voyez que ce n'est plus Bind. Ça ne s'affiche plus la Bind. Il ne restera plus qu'à recharger votre compte Binance et de suivre la stratégie Follow pour commencer à gagner. Voilà. Pour avoir donc votre lien de parrainage, vous allez venir à Profil, puis à Référal. Vous patientez. Et vous allez donc avoir là votre lien de parrainage, votre code et puis votre lien de parrainage là. Voilà. Vous copiez votre lien de parrainage à ce niveau et puis vous pouvez commencer. Et puis vous pouvez commencer à faire la promotion de l'opportunité. Donc on revient. Vous voyez qu'on a déjà traversé les trois étapes. Si, il ne reste plus qu'à suivre la stratégie pour commencer à gagner. Donc une fois que vous faites la liaison, on revient ici. Voilà. Lorsque ce qui est dans votre Binance s'affiche, ça veut dire que c'est visible. Et là, on peut dire bravo. Donc, dans une autre vidéo, nous verrons comment suivre la stratégie une fois que vous avez rechargé votre compte Binance avec un minimum de 200 $. On se dit ciao ciao.